Bonjour, monsieur. Vous êtes responsable du cours d'électronique et puis j'ai un petit problème au magasin de laboratoire électronique. Est-ce que vous pourriez m'aider? Oui, bien sûr, si ça touche le cours de circuit électronique, volontiers, on peut t'aider. Bien, j'ai en stock 3 boîtes de diodes, puis j'ai pas leurs caractéristiques. Donc, si vous pourriez m'aider un peu à l'identifier, sinon je peux rien faire avec. Ben, ça tombe bien. On est pleinement dans le chapitre des diodes et on va confier cette tâche à nos étudiants qui vont pouvoir t'aider à identifier ces diodes. Mais est-ce que tu as une idée sur les caractéristiques qui t'intéressent pour les identifier? Ben, j'aimerais avoir la tension de seuil de dépassement, la résistance dynamique, la tension inverse, puis aussi la limite fréquentielle d'utilisation, si c'est possible. Si, par exemple, on te fournit la caractéristique courant-tension de la diode, est-ce que ça répond à ton besoin? Ça serait très bien. J'aimerais aussi avoir les performances fréquentielles, si c'est possible. Ben, parfait. Donc, on va confier à nos étudiants le défi de vous fournir ces caractéristiques et ils vont certainement faire le nécessaire pour t'aider à identifier ces diodes-là. Ben, merci beaucoup. Ben, je pense qu'il faudrait aider nos étudiants à faire ce travail et on va essayer un peu de leur donner quelques informations sur la diode. Comment tu pourrais définir facilement ou simplement une diode? Donc la diode, c'est une jonction PN. Et c'est un composant qui va laisser passer le courant dans une seule direction ou bien dans un seul sens. Ben, si j'ai bien compris, une diode, on peut l'assimiler avec une rue à sens unique. Donc, il y a un courant qui circule dans un seul sens et pas dans le sens opposé. Ou bien un peu les portes tournantes qui sont au niveau du métro qui laissent passer les passagers dans un sens et pas dans l'autre. Mais cette diode, quelles sont les applications courantes de cette diode? Donc, les applications des diodes il y en a plusieurs applications, dépendamment du type de diode. Donc, il y a principalement 3 types de diodes qu'on va étudier dans ce cours. La diode à jonction, la diode Zener et puis la diode électroluminescente qu'on appelle le DEL ou bien le LED. Donc, si on regarde la jonction PN comme application, on peut penser au redresseur. Donc, si on a un signal qui est alternatif, on aimerait avoir un signal qui est continu. Donc, on peut prendre comme exemple les convertisseurs AC-DC dans les applications de iPod pour pouvoir charger les iPods ou bien les iPads. En classe, moi j'ai que des incertitudes par rapport à ma démarche. Donc j'aurais plus tendance à attendre les bonnes réponses et remplacer mon apprentissage que j'ai fait tout seul par ce qui est donné en classe parce que j'ai zéro certitude de c'est bon ou c'est pas bon. C'est parfait. Est-ce que pendant la séance de la classe, vous recevez les informations nécessaires pour consolider ce que vous avez? Ça oui. Rendu au niveau du cours magistral, là on voit que cette équation-là doit être utilisée dans telle situation. Donc tu vas remplacer dans ta tête ou dans tes notes ce que tu dois. Alors, vous avez cette configuration R2 égale 100 ohms. Quelle serait la valeur de V0? Vous avez une diode Zener de 6,8 et on vous donne la valeur de R2, c'est RL comme tout à l'heure.
Ça va être égal à combien, à votre avis, la tension de sortie? Combien? 5. Et vous avez une diode Zener 6,8. Effectivement. Bon. Oui. Comment vous avez fait ce calcul? C'est que normalement, pour aller vite, pour rapidement identifier si la diode conduit ou bien non la diode de Zener, on va prendre la source, la résistance ici, RI. On a la charge. Okay. Entre ces deux points-là, A et B, on va mettre la diode. Donc il faut qu'entre ces deux points, la tension soit supérieure à la tension de la diode, en supposant que le IZ min est égal à 0. Donc ce qu'on fait, on va calculer VAB, c'est-à-dire la tension entre ces deux points. Donc on utilise juste le diviseur de tension. La tension VAB va être égale à VI multiplié par RL divisé par RL plus RI. Si cette tension-là est supérieure à VZ, la diode de Zener va conduire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut remplacer la diode par son équivalent. Si cette tension-là est inférieure, on est dans la zone de polarisation inverse. Donc la diode ne conduit pas. Donc automatiquement, là, la tension de sortie va être juste un diviseur de tension. Si on calcule avec cette formule, on va se donner un condensateur de 30,9 microfarads. C'est le calcul numérique rigoureux. Alors, pour vous dire, sur le montage réel que j'ai fait, on a utilisé 22 microfarads. Alors, c'est encore une autre remarque pour voir un peu la théorie et la pratique. Bon, la belle théorie, elle nous donne cette valeur. 22 microfarads, c'est pas très loin, mais c'est différent. Et c'est différent, c'est pas parce que le calcul est faux, mais c'est parce que aussi le composant que l'on prend, il a une certaine précision. C'est écrit dessus 22 microfarads, mais peut-être il est plus grand, il est plus petit, et puis donc c'est... Et il y a différentes questions qu'on doit répondre. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre peut-être une dizaine de minutes pour que... On va vous laisser le temps de répondre à ces questions. Et après, moi, je vais essayer de résoudre ces questions-là et on va voir comment vous avez fait, comment vous avez réagi avec vos solutions. On va comparer vos solutions et voir les points où vous avez de la difficulté. C'est quoi la réponse 1 hein? Bon. Là, il y a 37% qui ne sont pas encore d'accord. Qu'est-ce qui arrive? La caractéristique de la diode n'a rien à voir avec... Je m'inquiète un petit peu parce que la diode ne fait rien. La diode n'a pas de rôle ici dans ce circuit-là. Ouais, de toutes les façons, le but... Le but de ces questions-là, c'est de discuter les points qui sont en suspens. Là, c'est bien qu'il y ait des gens qui répondent, qui ont un peu de petite confusion. Je suis certain qu'en répondant de manière interactive, ça va se fixer d'une manière beaucoup plus efficace que de faire du transmissif classique. Dans la mesure où, au cours des laboratoires, était là, non? On essaye de visualiser pratiquement ce qui se passe à travers des vidéos, des courbes. On fait des interprétations réelles et ce qui nous permet de mieux visualiser le fonctionnement des composants. Et arrivé en cours, alors avec ça, on est mieux préparé à recevoir la connaissance. Donc, je pense qu'avec ça, je m'améliore beaucoup. Ça facilite ma compréhension. Parfois, ce qui me mêlait dans le passé, je prends mon cas, c'est que on faisait des cours vraiment théoriques et on ne savait pas vraiment le but visé. Et avec cette approche-là, je sais ce à quoi je vais arriver. Ce sur quoi je travaille et où je vais. Ça me permet de... Parfait. Est-ce que tu sais...
serait favorable à ce que ça continue de cette façon? Oui, indéfiniment, jusqu'à la fin de ma formation, oui. Je trouve que c'est formatif. Le travail qui est fait, que ce soit à travers la vidéo, à travers les rapports, tout ça. Là où j'ai peut-être un peu de temps, de problème, c'est au niveau du temps alloué à ça. Ça t'a pris beaucoup de temps? Le TELA en soi, un laboratoire, bon, la première fois, ça nous a pris du temps, comme tout le monde, ça nous a pris au moins 40 minutes. Mais le deuxième, en moyenne 20 minutes. Donc, c'est au niveau de rédaction du rapport, ça nous a pris une heure et demie. Mais c'est sûr qu'au niveau de la compréhension, quand tu as essayé de faire les calculs avant, puis tu vois que tes résultats font sensiblement distance avec lesquels qui sont donnés après ça en classe, c'est peut-être un peu plus efficace que recevoir l'information théorique et après ça aller faire des exercices. Parce que tu essaies d'appliquer tes formules, puis là, tu ne comprends pas parce que tu appliques tes formules, ça ne marche pas. Tandis que quand tu as tout essayé tout seul, puis que ça ne marche pas, ben, tu te dis au moins qu'il y a peut-être des affaires que tu avais eues correctes. Là, une question un peu dans le vide. Est-ce que tu peux te comparer à la sortie du cours maintenant, par rapport à la sortie d'un cours classique? Est-ce que tu as plus d'informations qui sont entrées ou moins? Probablement un peu plus. Au premier TELAD, ça n'avait pas été fait comme ça, mais au deuxième TELAD, il y avait une révision complète qui avait été faite du TELAD. Puis de voir que les résultats que j'avais eus étaient sensiblement sensiblement bons, ça a plus tendance à ancrer effectivement le savoir, parce que c'est quelque chose que tu as déjà travaillé, c'est quelque chose qui est déjà là. Donc, en moyenne, tu es comme, ah, ça, j'ai fait ça comme faux, on garde. La séance de questions interactives aussi, moi, je trouve qu'il y a une bonne rétention, parce que c'est imagé, on peut poser des questions aussi par rapport à, ah, OK, ça, je comprends pas, ça, je comprends pas. Ça va aussi, ça nous fait voir qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on comprend pas, plus rapidement qu'arriver à des exercices et faire comme, ah, j'ai pas compris ce bout-là, finalement.